j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tree make-up, mais je vais essayer de vous montrer aussi en même temps un petit peu mon nouvel endroit, vous faire un petit entre guillemets mini room tour. Puisque si vous m'avez suivi dans mes vidéos, vlogs, travaux, etc., ici nous sommes au deuxième étage de ma maison et c'est vraiment la pièce pour mon bazar à moi. Et si vous voyez autour de moi, c'est le gros, hein, bip, le gros bazar. J'ai tendance à accumuler, à venir ici, poser des choses et puis après je range pas forcément tout de suite et j'attends les vacances pour le faire, etc. Et donc là j'ai vraiment envie de ranger et de trier. Malheureusement on n'a pas encore installé parce qu'on n'a pas eu le temps avec le mois de juin et tout ça, juillet, et puis là on va partir en vacances, tout ça, donc c'est peut-être fin août on va installer sur les côtés de ma pièce des rangements, parce que là c'est clairement le bazar. Juste pour vous donner une idée, donc là j'ai deux meubles Alex derrière moi avec un grand meuble comme ça Ikea pour ranger. Vous aviez dû voir logiquement comment c'était, et regardez le bazar à côté. Oui, puisque vous ne voyez pas, hein, le bazar. Donc il y a beaucoup de boîtes de make-up vides que je garde parce que quand je revends, j'aime bien revendre avec les boîtes. Et on ne sait jamais. Alors il y a des produits, je suis sûre que je ne revendrai pas, donc je jette les boîtes, mais il y a des boîtes, par exemple Too Faced, que je n'arrive pas à jeter. Et de l'autre côté, voilà, toutes mes robes, en fait, elles étaient sur un portant qui a cassé. Et du coup, elles sont par terre. Oui, je suis ravie. Donc il y a aussi tous mes albums photos qui sont là-bas sur le côté. Donc c'est des endroits où il faut que chérie installe des étagères, des meubles ici en fait faits sur mesure à la pièce pour pouvoir y mettre des choses et ranger mes albums photos, etc. Donc la déco de cette pièce n'a pas été encore continuée, mais j'espère vous montrer ça dans des prochaines vidéos. En tout cas aujourd'hui on va s'occuper du make-up. Tout d'abord chez NOS, j'ai trouvé des espèces de boîtes comme ça, qui sont des boîtes avec des compartiments de la marque Tamor. Donc si vous passez chez NOS et que vous voyez ces boîtes là, et bah écoutez, penchez-vous dessus parce que j'en ai pris deux à la base et j'ai vu que ça rentrait pas mal dans mes meubles Alex et ça permettait de ranger tout ce qui est bronzer, enlumineur, etc. De les mettre dans des compartiments. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un peu effet velours, ils sont à 2,99€. Donc j'en avais acheté deux, j'ai vérifié ça rentre, du coup j'ai demandé à chérie d'y retourner et il m'en a acheté trois autres. Donc j'en ai trois autres à installer, donc bah, déjà on va commencer par mes bronzers, mes highlights, etc. pour qu'ils soient un petit peu mieux rangés et ça me permettra aussi de faire du tri. Je vais essayer à la fin de cette vidéo de vous montrer un peu tout ce que j'ai réuni et qui va être en vente sur mon Vinted, parce que bah c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime bien faire du tri régulièrement parce que sinon mes placards de toute façon ça déborde. J'achète beaucoup, je le sais, je reçois beaucoup de la part des marques et forcément à un moment donné j'aime bien trier et j'aime bien vendre sur Vinted. Je donne aussi beaucoup à mes copines autour de moi, mais à ma maman d'ailleurs aussi, à maman si tu passes par ici, elle sait que je lui donne beaucoup, mais je lui donne beaucoup de soins et pas trop de maquillage parce que ça l'intéresse pas forcément. Donc après tout ce qui est make-up, j'aime bien vendre sur Vinted et j'essaie de faire des petits prix histoire de me débarrasser vite. Et vous êtes toujours, toujours au rendez-vous. Donc je vous remets mon Vinted, souvent je fais ça le week-end, le samedi ou le dimanche, comme ça, ça me permet après de vous envoyer tout pendant la semaine et j'envoie méga rapidement mes colis, souvent en 2-3 jours c'est fait. J'essaie de faire tout un maximum vite et d'emballer bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Bref, on va tout de suite aller voir dans mes petits placards. À ce niveau là, on a du coup sur le premier meuble Alex, un petit peu de décoration, les lunettes Too Faced, des petits trucs Too Faced, ma petite tour avec mes petits parfums, etc. Voilà, que j'utilise régulièrement, que je fais tourner. Et dans cette tour là, je vous avais déjà montré, je pense, il y a quasi tous mes produits Too Faced. Donc là, premier tiroir, quasi que Too Faced, sauf là, vous avez des rouges à lèvres Colourpop. Ici, tout ce qui est mini rouge à lèvres de toute marque. Moi, j'adore les mini rouges à lèvres. En dessous, ça reste du Too Faced, donc là toute ma collection encore une fois Too Faced. Troisième tiroir Too Faced, hein, l'amour de Too Faced, vous le savez, hein, je pense, si vous me suivez depuis quelques temps. Voilà, toutes mes palettes Too Faced sont ici, en tout cas celles qui rentrent dans ce style de tiroir. Ici on va passer du coup à Huda Beauty, rouge à lèvres Huda Beauty, que ce soit petit, grand, rouge à lèvres en raisin. Là c'est tout ce qui est fard lumineux comme ça de chez Beauty Bay. Les petites palettes en fait ici, il y a toutes celles de Huda hein, qui sont ce format là, mais vous avez des petites palettes comme celle de Fenty, celle de MAC, donc c'est des petites palettes qui rentrent dans ce genre de petits tiroirs là. Et là les petites Naked, ça c'est une Winky Look je crois, ouais, et ça je ne sais plus la marque, donc voilà, tout ce qui est petit, Huda, etc. c'est ici. Tiroir suivant, donc il y a encore des Huda, donc des rouges à lèvres comme ça, Huda Gloss, là c'est tout ce qui est gloss. Des crayons pour les lèvres, tout ce qui est rouge à lèvres mais en version crayon. Tout ce qui est pigment, les petites palettes Natasha Denona sont toutes ici.
Et là, c'est des crayons fard à paupières, un peu hein, style jumbo fard à paupières. Ce tiroir ici, c'est un peu plus le bazar, comme vous pouvez constater. C'est réparti en 4 compartiments, tout ce qui est pour le teint, éponge de teint. Ici, je crois que c'est tout ce qui est base de teint. Je n'ai pas des masques parce que j'aime pas trop ça. Ici, c'est tout ce qui est fond de teint. Et ici, c'est tout ce qui est poudre de teint. J'ai déjà fait un tri quand j'ai aménagé ici. Mais je vous avoue que, bon, je vais voir si je vais faire un autre tri. En dessous, on a tout ce qui est après, toujours pour le teint, les blushs. Donc oui, j'ai beaucoup de blushs et vous voyez, c'est compartimenté. Mais je pense que mes nouveaux compartiments là vont être beaucoup plus adaptés. Je vais voir, j'espère que ça va être bien, hein, on va voir ça. Mais vous avez aussi juste en dessous les bronzers, là qui sont vraiment pas bien rangés non plus. J'arrive pas trop à m'y retrouver, donc ça je vais ranger aussi. Donc c'est ces deux tiroirs là principalement que je vais ranger. Et en bas, c'est tout ce qui est bronzer et palettes d'enlumineur. Ça c'est les palettes d'enlumineur, bronzer qui sont vraiment très gros. Et enlumineur aussi qui sont très gros. Et vous avez à la fin tout ce qui est pour les sourcils. Et là, je crois que c'est tout ce qui est liner. Je vous montre à côté, donc là on s'abstient de regarder ici, il y a tout mon bazar. Vous avez une autre tour Alex, mais il n'y a aucun make-up à l'intérieur, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai décidé de faire vraiment un côté loisirs créatifs pour ranger aussi toutes mes babioles de scrap, parce que moi j'aime beaucoup scraper. Donc là j'ai fait une moitié de déco un peu girly et une moitié de déco Harry Potter. Fallait bien que je mette du Harry Potter quelque part. Et il y a des choses Harry Potter que j'aime énormément, donc tout est ici. Hein. Donc j'ai mis ça ici et on a ici quand même sur la deuxième tour le petit tournant pour les rouges à lèvres avec tous mes rouges à lèvres un petit peu haut de gamme. Là vous avez des Pat McGrath, Charlotte Tilbury, tout ce qui est Givenchy, etc. Yves Saint Laurent, donc tout est là avec un petit parfum, une petite bougie, petite trousse Ouda. Et dans ce grand meuble, j'essaierai de vous mettre les références des meubles en barre d'infos, mais dans ce grand meuble on a encore du make-up. Ici tout ce qui est rouge à lèvres, moi j'adore la rouge à lèvres comme vous pouvez constater. Ici tout ce qui est parfum, j'adore les parfums, donc je les ai mis à l'abri de la lumière comme ça. Cela c'est un petit peu mes réserves de parfums. Et ensuite toutes les boîtes et palettes qui ne rentraient pas de chez Too Faced. Donc là c'est toute ma collection Too Faced, ma collection favorite. Ce tiroir ici, ce sont tout ce qui est palettes. Donc vous avez vu, il va falloir que je trie parce que j'en ai énormément. Il y a des marques que je pourrais jamais me séparer, mais il y en a d'autres, je vais faire un petit tri. Donc il y a vraiment Natasha Denona, Oudia Beauty, Sephora, Anastasia Beverly Hills, les marques Jacob, les Urban Decay qui sont en dessous. Enfin, vous avez tout là, des Assemble Boutique qui rentre pas dans mon format. Des Make-up Revolution, donc tout est là. Le deuxième tiroir, c'est encore du make-up. Hein. Il y a des palettes ici, alors ça c'est un spray fixateur, mais il y a des palettes là, c'est Tarte. Ici ce sont les palettes, je crois, pour le teint, encore une fois, où il y a un petit peu de tout au niveau du teint et qui rentrent pas forcément dans mon autre tiroir. Ici ce sont les palettes surtout Juvia's Place et Beauty Bay qui rentrent pas aussi dans ce tiroir là parce que bah, il y en a beaucoup trop, hein, vous avez vu. Les mascaras, j'ai deux, j'ai beaucoup de backups de mascaras, vous voyez, ça c'est deux, alors ils sont tous neufs. Hein. Et là, ce sont, pareil, du backup de spray fixateur de toute marque. Voilà, à tester, j'en prends au fur et à mesure, dès que j'en ai terminé un. Le dernier tiroir, ce sont des lots concours. Ici, tout ça, c'est à gagner prochainement. Ici, j'ai mis des lingettes démaquillantes, des réserves encore d'éponges comme ça, Beauty Blender, parce que bah, j'adore ça et j'avais plus de place dans l'autre tiroir. Des autocollants pour le visage un peu strass. Et là, tout ce qui est fossiles. Fossiles, j'en ai pas des masses, mais voilà, j'ai fait un petit coin quand même pour savoir où ils sont. De ce côté-ci, comme je vous l'ai dit, il y a la petite tour, et ici c'est tout ce qui est scrap, donc il n'y a pas des trucs de dingue, hein, c'est tout ce qui est... là, il y a un allume-bougie, enfin, un coupe-mèche pour les bougies, mais après sinon c'est que des petits trucs de scrap, les petits stickers, les petites paillettes, enfin, voilà, toutes mes dice cuts, tout ça c'est ici, les petites choses pour faire des créas, hein, j'ai pas encore tout fini de trier et de ranger. Ici c'est tout ce qui est papier pour le scrap, on a ensuite ici tout ce qui est carte comme ça pour le scrap encore une fois, hein. Enfin, pour celles qui connaissent, et là c'est tout ce qui est tampon pour le scrap, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a tout ce qui est stickers aussi, hein. Tout ce qui est stickers, alors souvent c'est action, hein, tous mes stickers, tout ça, voilà, tout est là comme ça, je me sers. Mais oui, vous êtes nombreux à me demander des vidéos scrap, mais ça fait très longtemps que j'en fais plus. Je n'ai malheureusement moins le temps de m'en occuper. Et là, c'est tout ce qui est traveler, petit agenda, planner et tout, pareil que j'avais acheté et qu'il faut que j'utilise. Comme vous pouvez constater, ça, c'est toutes mes boîtes vides. Et j'ai deux boîtes comme ça, vides aussi, à ranger. Là, on a tout ce qui est... concours, et ça va être des futurs, là il y a un concours aussi, il faut que j'envoie des boîtes, et ici il y a des petites choses déjà à vendre sur Vinted que j'avais déjà triées.
Donc je vais m'installer au niveau de mes tiroirs. Je suis principalement sur ce qui est blush et, comme je vous ai dit, bronzer. Donc je vais vous baisser pour que vous puissiez bien voir à l'intérieur.
retrouve à la fin de mon tri. Et alors, j'ai fait deux bacs. Le bac à vendre, le bac à retester pour me refaire à la vie. Donc il n'y a pas beaucoup de produits. Il y a quelques palettes pour les yeux, deux palettes pour le teint parce que je ne me rappelle plus trop. Dans mes souvenirs, je les aimais bien, donc je vais les retester. Et surtout des bronzers aussi parce que j'ai énormément de bronzers. Et ceux-là, je vais les retester pour être sûre de les garder ou pas. Donc vous avez vu, hein, j'ai plutôt bien trié quand même, je trouve. J'ai des boîtes vides du coup qui étaient dans mes... dans mon bazar là, et les bacs que j'ai trouvé chez Nose sont vraiment bien, donc ceux-là je vais voir où je vais les utiliser. Je vais sûrement les utiliser dans mon bureau là qui est juste ici, sinon ça va servir dans ma classe aussi. Donc je vais pas vous montrer tout en détail, mais dans ce que j'ai trié principalement au niveau palette, je me suis rendu compte que ces palettes là de chez Makeup Revolution là, ceux-là en forme de tablette de chocolat, donc c'est la gamme I Love Revolution, puis il y en a un paquet, hein, il y en a 2, 4, 6, 8. Je les utilise jamais en fait, je les ai utilisées une ou deux fois quand je les ai eues, certaines plus que d'autres, il y en a je crois que j'ai jamais utilisé et je les utiliserai je pense jamais. Donc celle-ci je vais m'en débarrasser. De chez Makeup Revolution, j'ai décidé de vendre ces petits produits là que j'avais acheté l'année dernière mais que j'ai pas beaucoup utilisé, peut-être 2-3 fois, j'ai pas été plus conquise que ça. Ces fonds luminaires là je les aime beaucoup mais ça prend énormément de place dans mon rangement et c'est vrai que je les utilise à l'occasion mais c'est pas mes favoris même s'ils sont bien. Donc voilà, j'ai fait du tri au niveau Makeup Revolution. En niveau palette, je vais enlever, pareil, je me suis rendu compte, celle-ci, en fait, à chaque fois, de Kat Von D, à chaque fois, j'hésite à les vendre, et je me dis, oh non, Karine, garde-les, c'est vraiment des belles palettes, parce qu'il y a une palette avec que des mattes, qui est vraiment très belle, et à chaque fois, je me dis, ouais, ça servira, c'est toujours une belle harmonie, très très belle, et l'autre, c'est le même style, mais version avec des irisés, des lumineux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en 2 ans, je les ai jamais quasi utilisés, peut-être une ou deux fois au début, puis après, voilà. Donc pareil, je vais me raisonner, des petites palettes nude comme ceci, du Stivana, que je vais donner, je pense. La palette que j'ai achetée à ma copine Jessica, Viseart, là, la Dark Edit, que j'aime pas. J'ai testé 2 fois et j'aime pas trop, je sais pas, j'ai pas été conquise, donc ça paraît, je vais la revendre. Pas mal de choses pour le teint, des blushs, voilà, des petits blushs, bio ou pas bio. J'ai essayé de faire du tri un petit peu, du MAC, un petit bronzer enluminant MAC, là, comme ça. Voilà, j'ai mis plein de petites choses comme ça à vendre, donc vous allez retrouver ça sur Vinted. Mais je suis contente quand même déjà de ce premier tri. Et il va falloir maintenant que je m'attaque à tout ce qui est boîte. Parce que évidemment j'essaie de trouver les boîtes qui vont avec pour vendre avec la boîte. Et puis les boîtes que va falloir que je jette des boîtes aussi parce que ça sert à rien de garder ça sans boîte. Donc je vais trier aussi mes boîtes mais je ferai ça un autre jour parce que là j'ai plus la force. Donc on se retrouve sur Insta ou sur Vinted, hein, les filles surtout et les garçons. Et puis vous n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites du tri régulièrement. Hein, n'hésitez pas à partager ça avec moi en commentaire. Si en revanche vous avez évidemment une collection qui est beaucoup moins grande que moi et que vous utilisez tout le temps les mêmes produits, je comprendrai, hein, on est vraiment toutes différentes sur ça. Et moi je vais essayer de faire aussi plaisir à des copines, donc je vais aller donner aussi à des copines. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut !